Bonjour tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter le nouveau Rit Haberman. J'ai enfin pu le recevoir malgré qu'il soit en rupture de stock. J'avais fait la précommande et j'ai réussi à l'avoir par Amazon. Je suis trop contente de vous présenter ce livre. Il est vraiment magnifique. Franchement, j'adore son nouveau livre. La couverture est super jolie. Dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de l'acheter. Franchement, il est vraiment extraordinaire ce livre. C'est un voyage à travers l'Europe. Donc, nous allons le découvrir ensemble. Et n'hésitez pas à aller l'acheter dès qu'il sera à nouveau disponible. Rit Haberman a promis qu'il allait être à nouveau en stock. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, il est magnifique. Donc, on le découvre ensemble. La couverture est donc souple. Il est légèrement brillant sur le devant. Voilà. Il est assez épais, bien que par rapport à celui-là qu'elle avait sorti. Bon, c'était une compilation. Il est un petit peu moins épais. Voilà, vous voyez. Mais il ressemble beaucoup à ceux qu'elle avait sorti, les petites bêtes. Voilà, ça c'est la même. Quoi qu'il est un peu plus épais celui-là. Ouais. D'ailleurs, plus de dessins dans celui-ci. Donc oui, je suis fan. J'ai celui des petites bêtes, j'ai celui de l'océan et j'ai le tome des saisons regroupées. Et son dernier que nous allons regarder ensemble. C'est parti. Donc là, elle commence avec un tour de l'Europe. Voilà, Londres, Amsterdam, Paris. On voyage à travers ce livre, c'est magnifique. Nous transporte dans un univers vraiment magique. Là, nous avons une carte de l'Europe. Voilà. Et tous les monuments sont bien mis en valeur avec un effet parchemin vraiment magnifique, très joli. Là, on voyage également à travers des petites bulles. Super original. On retrouve vraiment l'univers de Rit Haberman avec des nouveautés par rapport à son ancien livre. Hâte de le commencer. À colorier. J'adore celle-là, là, avec l'effet de la valise ouverte. Trop original. Vraiment superbe. Ça aussi, la petite voiture avec tout ce qu'on aimerait emporter en vacances sans le mettre dans une valise. C'est génial. Voilà, pour partir à la campagne. Vraiment, j'adore. On en part en vacances avec ce livre. C'est super. Venise, et les masques, très beau celui-ci aussi. Là, on a la grande glace pour aller visiter la tour de Pise. C'est trop rigolo, j'adore ces livres parce qu'il y a de l'humour et en même temps, c'est tellement bien réalisé. Là, on a le petit chat avec la peinture. J'adore celui-ci aussi. Des petites maisons, le petit village. C'est trop mignon. Alors ici on a toutes les petites avec l'huile d'olive. On retrouve les pâtes. On est toujours en Italie hein, avec le petit scooter là qu'on retrouve en Italie. On voyage vraiment beaucoup. La plage. Et là, trop marrant, regardez ce qu'on retrouve. On retrouve celui-ci.
On retrouve notre petite pieuvre, la petite pieuvre que j'avais coloriée avec Barbara Color. Trop marrant. On retrouve notre petite pieuvre ici, de son livre. Elle a repris par référence, elle a repris son livre. C'est vraiment trop rigolo. J'adore, c'est vraiment un univers vraiment magnifique. Lisbonne. Personnage. Un voyage avec un petit pique-nique à la campagne. Paris avec les petits chats. Belle représentation de Paris sur les toits. Vraiment mignon. Ici on retrouve les terrasses de Paris avec les petites rues. Bien représenté aussi notre tour Eiffel. Superbe. Les fontaines. Les beaux gâteaux et les belles pâtisseries de chez nous. En France. Nos bijoux, nos sacs. Chanel. C'est trop bien. Elle pense à tout, Rita Berman. Celle-ci qu'elle nous avait offert en freebie sur son, je sais plus si c'était Facebook ou Insta. Elle nous l'avait offert celui-ci déjà et j'ai même pas eu le temps de le colorier, les amis, parce que ce qui me manque, c'est le temps pour colorier, mais elle nous l'avait offert en freebie, Rita Berman, sur sa page, celui-ci. Je ne trouve pas, mais je sais que je l'ai en page gratuite. On peut le trouver. Et donc, elle l'a intégré dans son livre. Vraiment un univers magnifique, très original. Chocolatier avec un petit chat. Je pense que Rita Berman aime les chats. Le bateau avec les fleurs. C'est vraiment très très original. Amsterdam, les amis. Nous partons à Amsterdam en vélo. Avec un petit chien trop mignon. Des ponts et des briques. Des fleurs. Ouh. Les montgolfières. La tempête un peu. Le vent. Et nous arrivons à London. London avec les parapluies. La pluie de Londres. Vraiment, c'est trop marrant. London. Avec les lettres, les fameuses boîtes aux lettres rouges. Les drapeaux. Les timbres, les guitares. Oui, c'est magnifique. On retrouve bien les maisons anglaises. London avec le thé. Et oui, le thé de Londres. Voilà. On voyage. La forêt. Les valises. Retrouve notre univers de l'Europe avec la Tour Eiffel, Big Ben,
Très beau celui-ci, j'aime beaucoup. Et à la fin, vous avez pour tester vos couleurs. Évidemment, Rita Berman y a pensé. Les crayons, l'aquarelle, sans problème. Le papier est bien assez épais. Pas de souci pour l'aquarelle, sans mettre trop d'eau, évidemment. La peinture, les pastels. Et si vous voulez vous amuser à dessiner d'autres choses, il n'y a pas de souci. Le test des couleurs aussi ici. Et voilà, vous à la fin, vous retrouvez tous les livres de Rita Berman, dont les trois que je vous ai montrés, et les quatre sur les saisons qui sont regroupés dans celui-ci. Voilà. Donc, si vous préférez acheter les quatre séparément, ou alors les regrouper. Mais vraiment, c'est une artiste que j'apprécie énormément, très gentille, et qui fait de magnifiques livres. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la présentation de ce livre. Allez l'acheter, n'hésitez pas, elle va bientôt le remettre en stock, c'est promis, vous allez la voir également. Et je vous souhaite de très bons coloriages, à bientôt, bye bye.